démocrate et républicain réintroduit un projet de loi dans le Parlement américain pour prendre sanction contre gang armée en Haïti qui a simé la terreur avec partisans yo et yo ciblé particulièrement moun nan élite politique là ak nan élite économique commerciale et qui appuyait gang armée ça yo d'après ça et projet loi dit et groupe sénateur ça c'est un article qui paraît dans Miami Herald et c'est Jacqueline Charles qui signe. Groupe bipartisan sénateur américain là dans le républicain Floride la Marco Rubio réintroduit un projet de loi et qui demandait pour gouvernement américain frapper sérieusement gang criminel en Haïti ensemble avec moun dans secteur politique avec moun dans secteur business privé qui a appuyé yo qui dans confiolo ak yo projet loi ça qui est le Haïti moun qui dans confiolo ak gang et prévoit sanctions très sévères selon loi Maniskia sous responsabilité dans question droit moun et présentation rapport chaque année sous nature zak ki komet yo ampleur violence gang yo ap fè en Haïti lien yo entre élite politique élite commerciale haïtienne nan et gang criminel yo accès tout pour public lan jwenn information et loi ça le projet loi ça était déjà introduit pour la première fois et c'était dans dernière session parlement américain, c'est démocrate en Floride Val Demings qui t'est introduit mais il t'a pas perdu et dans élection qui s'est faite là parce que il était derrière place Rubio mais Rubio toujours été comme sénateur lui-même n'est perdu dans course qui t'est gagné dans état Floride dans élection novembre. Bien que projet loi chita sous loi qui existait déjà, objectif ni d'après ça Miami Herald rapporte pour dire c'est pour forcer États-Unis et pour faire plus d'efforts et pour attaquer gang criminel yo en Haïti ensemble avec moun ki campé derrière eux moun ki commandité yo et qui parce que yo reproché États-Unis dans le parlement américain surtout groupe sénateur ça d'après avoir pas suivre j'effort gouvernement canadien li pas aller à même rite à gouvernement canadien dans ça qui concernait sanction yo c'est ça yon représentant dans Congrès américain déclaré depuis mois novembre Canada sanctionné déjà 15 haïtiens là dans yo chef régime tête caléa qui régime ça bail deux présidents et là dans yo tout deux anciens premiers ministres et ancien premier ministre Jean-Henri Séan nous connaît qui continue à dénoncer et sanctions et prend contre et puis Laurent Lamotte qui était dénoncé dans commencement sanctions ça yo ensemble avec plusieurs businessmen parmi ça qui plus riche dans pays a pour d'après avoir yo appuyé gang armé yo dans pays a. Ottawa qui donc gouvernement canadien annoncé l'a bloqué l'argent tout monde ça yo gagné dans pays Canada là d'ailleurs l'argent sénateur haïtien Ronnie Celestin ancien sénateur désormais qui lui-même avec madame Nigon Kai qui coûtait 4.25 millions de dollars dans un quartier qui plus chic dans Montréal province Québec dans pays Canada toujours Miami Herald qui a parlé Washington sanctionné seulement 4 individus, tous ces politiciens. D'après cet article, on a poursuivi pour dire, il est accusé d'après avoir impliqué dans gang et dans trafic de drogue. Bien que États-Unis prend des mesures de restriction tout, dans question visa, contre un pile monde, il y a pas de chiffre, mais décision, ça y est, il a pas publié, et conséquence surtout, il n'y a pas aussi lourd que là, il prend sanction. Selon sa parlementaire américain estimé, restriction visa li interdit individu a pour venir dans pays États-Unis. Mais alors que l'on prend sanction économique contre lui, c'est toujours article en cap parler, ça fait de yo de paria économique dans propre pays côté au fait là. En parlant de moun yo visé yo. Administration Biden nan déjà li gen autorité exécutif là pour mettre en application sanctions ciblées pour capable et fait face carré avec moun sa k'ap violer droit moun et qui responsable une série de action corruption dans pays d'Haïti et c'est ça Rubio sénateur Florida dénoncé dans journal Miami Herald cependant administration doit aller plus loin avec loi ça y réintroduit Rubio déclaré Jean Haïti Abdodinea journée jodi a son menace à la fois pour
propre avenir en tant que pays et stabilité toute région la donne état Floride dans côté lombric li enterré et peuple haïtien a souffri depuis longtemps en bas difficulté qui gagne à revoir à violence gang yo qui continue à menacer la ville chaque jour et côté gagnent des responsables et gouvernement corrompu et yo continue à appuyer d'après ça yo dénoncé et d'après ça Rubio dénoncé États-Unis à communauté internationale là yo doit demander ça qui passe en Haïti doit demander dirigeant au compte tout mauvais acteur ça yo est-ce que comme première étape pour commencer résoudre crise ça qui complexe d'après ça le fait connait comme première étape c'est demander yo tout mauvais acteur ça yo compte de qui prévient d'après ça le dit loi ça yo introduire li gagne un autre sénateur qui parrainel c'est Bob Menendez démocrate New Jersey a, c'est lui-même qui a dirigé commission sénatoriale relations extérieures Tim Kaine un autre démocrate Virginie républicain très radical Ted Cruz Texas et puis avec démocrate New Jersey et Cory Booker et projet loi ça exiger département d'état pour mener enquête et présenter rapport devant Congrès américain et congrès et rapport annuel et sous qui nature relation entre gang criminel dans pays d'Haïti avec élite politique élite économique dans pays a rapport ça yo y a accessible pour public là sous site internet département d'état toujours article en cap parler fait qu'on est année passée président Joe Biden te signé une loi avec l'autre exigence tout neuf concernant situation qui est dans le pays d'Haïti et dans rapport pour département d'état pour informer les parlementaires américains sous crise gouvernance pays d'Haïti a fait face individu et action dans corruption acte dans dernier acte événement qui est la cause massacre qui était fait 2018 dans quartier populaire tankou la Saline dans Port-au-Prince ensemble avec enquête qui a fait quoi là sur assassinat président Jovenel Moïse et dans juillet 7 juillet 2021 et bien et département d'état gain pour présenter rapport devant Congrès américain sur évolution dossier ça yo les rapports finalement yo publié et gain pile critique yo noté yo pas porté trop détail rapport sur assassinat Jovenel Moïse là c'est quelques pages seulement il était fait et rapport sur corruption yo capable dit son clip qui ramasser tout rapport média yo sans pas gain aucun signe te gain enquête indépendant autorité américaine yo te demandé pour te faire sous affaire ça alors que situation en Haïti continue à mangomain et côté que son pays qui hors contrôle moins fier pour réintroduire et loi bipartisane ça pour demander gang criminel en Haïti au compte de qui prévient ensemble avec moun qui a financé yo, qui a soutenu yo, ensemble avec moun qui a appuyé politiquement d'après sa sénateur Menendez rap pour dire alors que peuple haïtien a fait face à une crise politique une crise dans question sécurité une crise humanitaire sans pareil gang criminel yo avec tout monde qui a appuyé yo continuer à faire abus terrible qui pas gain nom contre peuple haïtien et particulièrement les assassiner des simples citoyens ou bien les faire des actes pas gen mot pour nous décrire violence sexuelle et presque non impunité et je dis relative mais ça n'a pas constaté est total alors que avenir pays d'Haïti jeudi a li en jeu responsable et monde qui fait crime ça yo délit ça yo doit subir conséquences ça yo fait quel que l'en soit statut yo d'après ça parlementaire américain yo dit l'autre sénateur Kaine déclaré sanction et administration Biden prend année dernière yo et contre gang yo c'était une étape qui était nécessaire indispensable mais il dit loi ça pour montrer à clair qui lien qui existait entre individus qui a fait violence et que nous pas capable même qualifier contre peuple haïtien par un mot à un monde qui c'est de personnalité puissante personnalité publique et qui nous va établir lien qui existait entre avec gang ça yo et qui déploie ton gang pour propre intérêt personnel yo d'après ça le déclaré sénateur Kaine et il dit tout et à partir de nouveau loi ça réintroduit ça pral bail un outil important pour transparence responsabilité et justice n'a cité pour peuple haïtien voilà c'est artiste apparaît jeudi à Miami Herald concernant démarche groupe bipartisan Sénat américain sous dossier gang
criminel yo ak appui yo gen nan secteur politique ak économique nan pays a. Pendant ce temps ça, Ariel Henry pas nan pays a, li Nassau, Bahamas, côté la participé nan 44e réunion chef gouvernement nan CARICOM nan depuis matin. C'est ça, yon communiqué ki soti nan primature nan fè konnen. Premier ministre Ariel Henry d'après ça communiqué a dit matin on prend direction Bahamas côté la participer jeudi à demain nan 44e réunion chef gouvernement à communauté Caraïbes blanc CARICOM li gen avec li nan voyage ça ministre affaires étrangères à culte Jean-Victor Géné ça veut dire entre autres ça veut dire l'autre monde et ministre AI justice et sécurité publique là madame Emily Prophète Milsé et chef gouvernement notre la k ap parler toujours ap gen pou chita parler sous côté réunion ça ak plusieurs chefs l'état ak gouvernement divers pays dans région ak continent qui ap présent ministre économie ak financement Michel Patrick Boisvert c'est lui-même qui prend place premier ministre en absence li et li qui dans intérim selon sa bureau communication primature précisé. Nous connaissons chaque fois Ariel Henry parti, il toujours laissé créer une attente parce que il dit il va rencontrer chef d'état, chef gouvernement, tout le monde côté le praléo, quitter le Chili, Argentine, quelque soit dans réunion l'aller ou bien dans pays États-Unis et qui crée une espèce d'attente comme si la porte un bagaille, mais nous pas jamais moi ça le porter tout comme chaque fois devant situation difficile, il dit yo pral faire un CSPN ou bien yo pral faire un conseil des ministres. Mais qui crée une attente comme si gon bagay qui pral sorti et tant coup dernier événement côté même sécurité était en danger après était fin assassiné policier yo dans Liancourt et au songe événement ça pas rien trop longtemps t'a sorti dans pays Argentine il te dit pral faire après deux jours il va pas après deux jours les récits parler il dit pral faire on CSPN mais juste dans moment n'a parlé là nous même qui dans la presse nous pas connait qui ça sorti dans CSPN toujours présenter nous comme une solution à tout problème yo.